Salutations invocateurs, aujourd'hui petit focus sur Janna parce que je vois beaucoup trop de joueurs à bas elo qui continuent à la jouer avec Glacial Augment. Janna a reçu beaucoup d'améliorations sur ses dégâts, notamment sur son W qui est un slow point and click. Désormais, la meilleure rune que je peux vous proposer, surtout si vous galérez à arriver au game, ce sera la comète arcanique, voire à défaut Eiri. Janna a un gameplay extrêmement oppressant avec cette rune sur la phase de lane, et le but du jeu avec ce personnage n'est pas de jouer derrière votre AD carry. Vous devez être un acteur oppressant de la lane, mais aussi un élément très perturbateur de roaming. C'est pour ça que dans l'arbre principal, on va privilégier la célérité à la transcendance, même si les deux s'accorderaient parfaitement sur le personnage. Dans la dernière rune, vous pouvez choisir la brûlure si vous préférez jouer pour l'early game, ou la tempête menaçante si votre composition ne se prête véritablement qu'au scaling. Dans les runes secondaires, on va aller chercher le chasseur acharné, puisque la mobilité est une partie importante du kit de sort de Janna, et là où il y aura une petite variante par rapport aux runes que l'on peut vous proposer en général, c'est dans la deuxième rune de force adaptative que vous pouvez transposer avec la vitesse de déplacement. Cette stat est tellement importante sur Janna que si vous prenez cette statistique là, il faut savoir que votre W fera exactement le même nombre de dégâts que si vous preniez la rune adaptative. Sauf que là, vous gagnez un véritable potentiel d'impacter encore plus rapidement la map. C'est parti! Très bien, alors pour cette vidéo, on va jouer contre Yasuo Gragas, on a Ezreal Janna, donc nous on va jouer le poke, eux ils vont jouer le all-in. Et évidemment, leur combo à eux c'est Brain Dead, hein. Donc même s'ils nous tuent pas en early, ils n'auront quand même qu'à appuyer sur R au moment où ils voudront nous tuer. Hein. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est avec Janna toujours poke la lane et surtout essayer de prioriser celui qui ne va pas pouvoir régénérer nos dégâts. Ici, c'est Yasuo parce que Gragas a un sort de sustain. Si typiquement sur la lane, on avait eu par exemple Caitlyn Soraka, je vais focus la Soraka et essayer d'éviter ses Q au maximum pour pas qu'elle puisse se régénérer sa vie. Le but du champion, c'est d'être le plus oppressant possible. Donc dès que vous avez votre Z, vous allez focus sans arrêt la même personne pour faire en sorte de transformer la lane de 2v2 en une lane de 2v1 justement, parce qu'il y en aura un des deux que vous aurez mis si mal qui pourra plus vraiment jouer la lane. Ok, on les voit ici, leur jungler à start sur le bot side. Hop, j'enlève le shield. Hop là, petit auto, petit poke, c'est gratuit. Oh, lui il passe par là donc je tape, hein, mais sinon je vais focus le Yasuo. Oui monsieur, oui. Ok, nice, il a enlevé le shield du Yasuo. Ok. Il y a des bails sombres. Hein. Il est pas bien lui. Là, je joue pas parfaitement, mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué Janna, mais bon, c'est pas trop mal. On s'en sort, on s'en sort. Ils sont vraiment pas très bons en face, ça aide. Par contre, on commence à manquer cruellement de mana. Je vais me caler un petit back là très bientôt. Et je vais continuer à maxer le Z. Je vais start avec des bots, je vais prendre un seau noir et une potion. Le peu de sustain que j'ai actuellement, il se trouve sur ma rune goût du sang. Là, je te tabasse. Je te tabasse toujours. Il a plus de windwall là le monsieur. Alors j'essaie de lui préparer les sbires mais il refuse de l'élastite. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Attendez, il vient de heal là. Pff, on est encore avec des spécimens, genre c'est le beau jeu là. De la merde. Allez, t'es mort. Oui, ma grande. On peut le rattraper. Hein. Parfait. Bon, bah là, du coup, je peux prendre directement mes bottes de célérité. Et vu qu'on a vu que le Ezreal était spécial. Je vais partir sur mon mandat impérial, je prends le sweeper parce que j'ai mes wards. Et on va aller faire un petit tour au mid.
Allez, ciao. Et voilà pourquoi c'est important de Rome. Ah, il y a quelqu'un qui a voté FF. Bah, ils ont un mental d'acier, les mecs, hein. Mais reviens ici, toi. Hop là. Je passe par là. Allez, ciao ciao, Kata. Ok, bon, je poursuis mon mandat impérial. Pour moi, tout se passe bien. Pour mon ADC, bon, c'est un peu moins ça, mais on a l'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh, ça a l'air de pas trop mal se passer. Ah, ça va moins bien se passer tout de suite, là. Bon, Kiana va peut-être aller ramasser, donc j'ai pas besoin d'aller là-haut. Hop là, je cover bien le bot side pour mon mid. Parce que le Gragas, il a l'air de bien vouloir rotate lui aussi. Ciao. Je m'en sors pas trop mal, hein. Bon, c'est juste que mon ADC est vraiment éclaté au sol, mais bon, ça, on s'habitue. Ok, j'ai mon mandat impérial, je reprends une pink. Ma Kiana, elle est plutôt bien, mon Azus il s'est remis bien aussi. En vrai, j'ai peut-être envie de jouer vers le topside avec ma Kiana là. Allez, allez Kiki! Yes Kiki! Ça c'est ma Kiki. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça au niveau de l'entrée de jungle. Bonjour monsieur! Voilà, bon c'est ce que je disais, hein. Mon top il s'en sort vraiment bien. Ezreal, bon c'est la classique. Oh oui, ping moi de l'aide monsieur, ping moi. C'est vrai que t'as fait plein de choses pendant que j'étais juste avec toi tout à l'heure. Je fais 1v1 la brillard hein, quand même, hein, est-ce qu'on peut en parler? Aïe! Oh, le saignement! Bon, c'est pas grave. Je récupère ça, je prends une pink. Ah, faut qu'il fasse gaffe. Ah oui, ils sont 80 au top, bah je vais aller au top hein. Après c'est dommage parce qu'il y a le Drake qui est up, en soi on pourrait le jouer hein. Mais bon, vu qu'ils veulent tenter une action au top, si je vais tout seul au Drake, ça me sert à rien. J'arrive Bébou hein. Allez, oui. Bon lui on le dive hein. Ah, je pensais que j'allais prendre l'aggro mais... Je trouve que c'est tellement drôle à jouer. Well played. Ah, Talon qui continue à canner. Oh oui, le coup de tour. Ah, Talon qui a reset ses golds après sa mort, et ça c'est beau. Faut juste que j'arrive à jouer autour de Kiki et Nasus. Pour l'instant je vais aller avec Nasus je pense. Là, on se repositionne. Oh là, il y a un Yasuo vénère derrière. Oui, j'arrive, frère. Allez, ciao. J'adore ce perso. C'est trop fun.
tellement plus drôle à jouer Janna quand tu joues Comet avec des dégâts plutôt que de juste la jouer avec avec Glacial Augment. Les gens se rendent pas compte le fun que c'était avant le premier reward qu'elle a eu. Ah, j'arrive, Kiki! Ah, attention, le décès. Ah, ok, non, point de décès. A few minutes later. Ok, elle l'a eu. Oh non, elle l'a pas eu! Un full combo. Ah, mais je pensais qu'elle avait son R, elle n'avait pas son R. C'est de la peau, qu'en fait je voulais venir vers elle, et après quand je l'ai vu avancer, bah du coup je suis allé vers la position de la dague de Kata, alors qu'en réalité j'aurais peut-être dû revenir vers le bush. Ça l'aurait brain, elle aurait jump ici, elle aurait face Qiyana en premier, et ensuite j'aurais peut-être terminé. Mais bon, c'est pas grave, je vais avoir mon champ de guerre de Shorelia. Item acquired. Allez, on y retourne. Par contre, il y a des infernos maintenant, faudrait qu'on joue autour. Je te suis, Kiki, je te suis. Ok. Ouais, bah là je suis mort, de toute manière elle me dash dessus, j'ai pas le choix. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai front pour Kiki. J'avais pas trop un univers dans lequel je m'en sortais comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait le Ezreal? Faut arrêter, hein. Allez, oui. Ça c'est ma Kiki. Ok, petite pink ward, mais on va pouvoir jouer les Drake, et ça c'est beau. Parce que Briar est top, hein. Voilà, c'est compliqué quand même, hein. J'arrive. Ok, bon, il est spécial le monsieur quand même. Ah oui, 11-6, oui, bon. Avec la Katarina, elle fait un peu le taf quand même. Mais on a récupéré le Drake, donc on va dire que c'est fine, hein, étant donné la gueule de la game. Là, une erreur que j'ai faite, parce que je m'en suis un peu battu la race, c'est que j'ai voulu essayer de faire quelque chose avec le Ezreal, mais n'oubliez jamais que d'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course. Hein. Jamais. Ok, bah parfait. Je suis obligé de me baquer. Ok, nice. Il y a Briar qui va respawn, elle va lancer un R tout droit. Je vais rester près de Nasus. 2 seconds later. Je suis mort. On aurait dû back off sans Kiki. Ok, très bien, du coup maintenant je vais aller chercher une petite Banshee. J'arrive, Kiki. Bon bah on se casse parce que de toute manière on n'a plus Qiyana et il y a Katarina qui est en vie. Il y a peut-être Nasus qui peut la tanker, je pense. Voilà, je te laisse, Ezreal. Pense à toi. Bon, je meurs. Ah, Briar, c'est encore un bon champion quand même. Hein. Allez, les gars. On peut le faire. Oui. Ouah. Ouais, le problème, c'est que le Drake, on va vraiment pas le contester. Hein. J'ai vendu le son noir pour avoir la barrière verdoyante avant de retourner me battre. Ok, on l'a fumé. Ah là là là, on s'arrache. À l'aide. Ah, le problème c'est qu'elle voulait que je R, mais si je rentrais en range pour R, en fait, j'avais un petit problème de... J'avais un petit problème de fear de Briar, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hop là, petite pink ward. Normalement j'aurais assez pour la Banshee entière sur le prochain bac.
Quelqu'un récupère la Priomide. Bien sûr, personne ne veut le faire. Ok, il y a un air de Briard qui arrive. Je peux pas vraiment le sauver. Attends, quoique. Ok, moi j'ai ma Banshee, ça proc. Allez, Kiki! Voilà. Très très bon, très très bon. Let's go. Et c'est la wins, frérot. La Banshee qui gagne, hein, vous avez vu? Allez, ciao! Allez, Zril, tabasse-moi ce truc. On finit cette petite game. Attendez, hop, on active le Shurelia sur les sbires. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Shurelia il marche aussi sur les sbires. Hop là, GG, well played. Petit GG à Kiana, bien mérité. Ok, voilà, on a un Ezreal, vous voyez, 8000 damage. Notez bien, en tant que support, que dans votre game, il y aura toujours au moins un mec qui s'en sortira pas trop mal. Et c'est autour de lui qu'il faut jouer. Moi, dans ma game, là, il y avait Nasus qui était ok, et Kiana qui était ok. Vous m'avez jamais vu faire des trucs de fou pour le talon. Il y a juste eu une fois où je suis passé par la mid lane et où je l'ai aidé parce que je pouvais l'aider. Mais sinon, ça et ça, là, vous suivez pas. We'll be right back.